Ce matin, je suis vraiment au taquet. C'est vrai que voilà, hier soir, je me suis complètement loupée avec Flo. J'ai fait une gaffe, j'ai dit que Paga, c'était le cœur. Et Flo l'a raison. J'ai encore une fois plus été maladroite. Donc, vraiment, il va falloir que je rattrape ça. Mais alors, comment ça va? Je fais le petit déj. Ma petite gag. C'est vraiment une mongole. Mais j'ai rien pour faire le petit déj. Parce que là, je fais le petit déj. Mais oui, ce matin, je suis réveillée. Tu as pas bien dormi? Ah, j'ai trop mal dormi, laisse tomber. Je suis vraiment bête des fois. Hein. Qu'est-ce qu'il aime bien, Flo? C'est toi. Hier, je l'ai vu, il s'est fait une assiette de salé. Coupe lui une petite tomate avec de la mozza et c'est très bien. Allez, parfait. Mais il s'est couché énervé, je vais pas lui parler. Il est susceptible de ouf. Mais de ouf, genre là, je sais même pas si ton déjeuner il va. Je sais, mais moi, c'est déjà ça, tu vois. Je mets les petits plats dans les grands pour montrer à Flo que je tiens à lui. J'espère vraiment que là, Flo va me pardonner. Parce que, à l'entendre hier, pour lui, c'était vraiment catégorique. Il voulait plus m'entendre parler. Donc, je me demande si j'ai clairement pas tout foutu en l'air. Bien dormi. Allez, grimpe, mon frère. Grimpe, je reprends ton poutin. Titre. Pop. Alla girando, accaraccia, va girando, a farà cesta, girando, che farà cesta. Ah, je suis chaud patate ce matin. J'ai très bien dormi, je me suis réconcilié avec bébé. On en a marre des embrouilles. C'est retour Grégory Antonia, porte grec jusqu'à cuisine pour faire un sacré petit déj. Bamborito, bangarache, candirando. Paga et Greg en danseuse orientale, les Grigolbert, parce que je me dis, mais Paga elle est tout aussi responsable de la merde dans laquelle il m'a mise hier soir, et en fait, je vois que ça fait rire, donc là, clairement, je suis saoulée. Ça va aussi, Anne? Bah ouais, hein, je rattrape les conneries d'hier, écoute. Ah ouais, Océane nous a fait des dingueries hier, Océane. Non, mais je suis trop maladroite, les gars. Bah. Tu fais quoi là? Tu prépares un petit déj? Tu prépares un petit déj, Océane? Pourquoi? Bah, on prépare plein d'autres aussi, des petits déj. Tu prépares un petit déj pour moi? Faire. Non, tu m'as jamais fait de petit déj, hein? Bah ouais, mais écoute, Paga, hein, tu vas pas l'arrêter non plus. Comment elle m'a jamais fait de petit déj à moi? Je vais lui piquer son petit déj. Bah oui. Oui, oui, Jolie. Oh, Paga. Paga, je vais le tuer. Paga, je vais le tuer. Paga! Pourquoi tu m'as toujours mes relations? J'adore la charrier, j'adore l'embêter, j'adore la taquiner aussi. Hein. Mais là, c'est du génie, j'étais trop fort. Je me régale. Ouah, c'est trop fort, je suis trop fort en ce moment. Je te vois en plus. Il est où ce con? Paga! Mais arrête! Il a tout mangé! C'est bon! Tu vas jamais me laisser tranquille? Purée! T'es vraiment dégueu. Je te déteste. Putain, t'inquiète pas, toi, t'inquiète bien. Pas. T'inquiète pas, toi. Je vais pas du tout. T'as niqué tous mes œufs, t'as mangé tous mes œufs. T'es vraiment des. Je rêve. T'es le pire. T'es le pire. Il a mangé le petit déj de Flo. Ça m'énerve en fait parce que moi depuis hier, Paga, et ben j'ai l'impression qu'il me met des bâtons dans les roues plus qu'autre chose. C'est à croire que Paga, limite, il a pas envie que je me réconcilie avec Flo. Flo, je t'ai fait ton petit déj. Le petit déj, pourquoi c'est pas ton cœur aussi? Ben je l'ai fait pour toi, je l'ai pas fait pour Paga. Non mais je te demande. On peut parler ou pas? Bah oui, si tu veux. Ah. Bon, déjà, je t'ai fait le petit déj. Mais je fais jamais le petit déj, hein. Même Paga m'a dit, c'est pas mon petit déj. D'ailleurs, il a voulu le manger, tu me crois? Tu me crois qu'il a voulu le manger? Bah parce qu'il a suivi ton cœur. Pas du tout. Je peux pas m'en empêcher, en fait, de lui lancer un petit pic. Parce que hier, j'étais très énervé en allant me coucher. Elle m'a blessé dans ses paroles. Du coup, j'aimerais bien qu'Océane m'explique pourquoi elle a sorti ça, vraiment. C'est chose que t'as dit. C'est une maladroit de ma part, c'est tout. Mais tu te dis bien qu'avec Paga, plus jamais je retenterai une relation. Alors qu'avec toi, j'ai J'ai pas l'impression. Parce que si j'ai réfléchi même dans la nuit, mon cœur, il choisirait Paga, mais la raison, Flo. Réfléchis un peu ce que ça veut dire. J'étais bête de dire ça, c'est tout, mais tu sais très bien qu'avec Paga, il n'y a plus rien du tout, parce que sinon, je serais pas en train d'apprendre à connaître, tu vois. Tu vois très bien que. Bah, peut-être aussi parce que Paga, il est en couple et que tu sais pas. Pas du tout, là, je ressens absolument rien pour Paga. Maintenant, toi, j'apprends à te connaître, c'est normal, tu vois.
C'est juste que je suis maladroite, j'arrive pas trop à m'exprimer, tu sais. Mais tu sais bien que je suis à toi, tu le vois, enfin je sais pas, je suis pas semblant. Oui. J'aurais jamais dû le comparer à Paga, parce que déjà, il y a même pas de comparaison à faire. C'est vrai que là, le fait de discuter avec lui, de m'ouvrir à lui, bah, c'est vraiment pour lui prouver que j'ai envie, en fait, d'avancer avec lui. Flo, c'est une personne qui me convient, qui me correspond et avec qui je me projette. Je sais que tu es maladroite, mais quand même, ce que t'as dit, c'est... Je sais pas. Oui, bah, je suis désolée de l'avoir dit, c'est juste que c'est... C'est bizarre. C'est maladroit, c'est pas bizarre, c'est... Mais j'ai tenu à lui, ouais, et là, tu me demandes là, maintenant, Paga ou Flo, bah, c'est clair que je dirais Flo, mais mon cœur, par rapport à ce que j'ai vécu, c'est vrai que bah, Paga, j'ai vraiment tenu à lui, mais là, c'est vraiment... Mais en fait, en gros, il faut dire qu'il n'y a pas de choix à faire. Parce que t'as choisi pour l'instant, j'ai pas de choix à faire parce que pour l'instant, on est en train de se connaître, Flo. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais bon. Je vais laisser le bénéfice du doute et continuer ce petit jeu, on va dire entre nous deux, mais dans un coin de ma tête, ça reste là. Est-ce que tu vas quand même manger mon petit déjeuner ou tu vas pas être couché? Non, on va descendre en bas. Je vais le prendre. Et j'ai même pas le droit à merci. Hein? J'ai même pas le droit à merci. Avec tout ce que t'as fait, tu veux merci mais en plus? Mais ça va, je sais ce que c'est. Non, allez, on descend. C'est sérieux? Allez, viens. Mais pas un petit. Non, y'a rien. Ah ouais? C'est toi qui dois me faire un bisou, viens. C'est ça, c'est toi qui dois me faire un bisou, c'est pas moi. Ça va, je suis désolée. Désolée. C'est bon, je t'excuse. Flo, je vois très bien qu'il va se radoucir un petit peu. Je suis contente d'avoir une discussion avec lui parce que voilà, je pensais qu'il voulait rien entendre de moi. Mais là, je vois déjà que la discussion est possible. Donc, tant mieux pour moi et heureusement parce que franchement, je pense que je m'en serais voulu. Flo, tu es en train de te faire prendre pour un jambon. Moi je te le dis. Toi tout le monde c'est des jambons. Je parle à Flo. Tout le monde c'est des jambons toi. Ouais. Toi tout le monde c'est des jambons mais toi. Toi tout le monde c'est des jambons. Tu aimes trop répondre par là. Non, tout le monde c'est des jambons toi. Mais toi aussi tu étais un jambon dans ta vie. Mais toi aussi tu es pas un jambon. Mais oui, tu es un rose bleu. Mais toi tu penses que tu es un carpaccio saumon. Mais tu parles avec moi. Tu es mort en sang, tu es mort en sang. Tu vas bugger. Tu es cuit, tu es pas cuit. Tu es cuit au sol. Tu es cuit au sol. Alexandre me tombe dessus. Mais du coup, il se mêle, lui. C'est qui, Alexandre, dans cette aventure? C'est l'abbé Pierre? Sur ma vie, c'est l'avocat des pauvres? Je pense qu'il peut se défendre tout seul, en fait, Flo. Qu'est-ce que tu viens m'embrouiller à moi? Ne me chante pas, tu m'appelles en pleurant. Mais c'est toi, c'est toi. Maëva, bah, je l'aime, je l'ai dans la peau. Tu es un gros fatigué. C'est bon, t'en parles pas avec moi. Tu es un gros fatigué. Mais moi, tu es égoïste. Tu es un gros fatigué. Greg, à chaque fois, c'est la même chose. Il se mêle d'histoires qu'il ne regarde pas, mais nous, on n'a pas le droit de se mêler des histoires. C'est pas le mieux placé pour traiter les gens de jambon. Il oublie que dans les aventures précédentes, lui aussi, c'était un jambon avec Maëva. Tu as gagné ou tu as pas gagné? Là, pour l'instant, tu as pas gagné, frérot. Mais crier comme ça, tu as pas gagné. Non, mais à un moment donné, on peut pas lui parler de Maëva. On peut pas lui parler de Maëva à chaque fois. Elle est en feu plus. Malade. Ça part d'un jambon? Non, mais attends, sur quoi ça part? Elle m'a dit d'un jambon. Ça part d'un jambon. Je parle à Flo. Je parle à Flo. Je dis Océane hier, elle t'a pris pour un jambon. Ce qui est vrai en fait. Parce qu'avec Flo, on est parti à danse orientale, on a fait le jeu du miroir, plein d'encapages. Mais Greg! Et allez, attends, Océane, s'il te plaît, je parle à Paga. Mais pourquoi tu ne mets pas de l'histoire? Je parle à Paga. En fait. Mais on se mêle tous de toutes les histoires, ah, frère, que tu me racontes. Écoute-moi bien, toi, deux secondes, écoute-moi bien. Quand Maëva va venir, on va bien rigoler. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais! Ah, mais qu'est-ce que vous avez avec elle là? Mettez-vous en couple, vous allez bien ensemble, les deux. Mais qui êtes-vous, vous, pour juger ma relation avec Maëva, en fait? Et Flo, là, qui me fait le nerveux avec ses pectoraux, frérot. Flo, le surfeur, va faire du surf parce que niveau branchage... Excusez-moi, mais c'est pas ça, mon frère. Hein. C'est malade. Mais moi, c'est sérieux? Mais moi, tiens, quand je te dis ferme ta... Demande-moi là. Mais oui, quand je te dis ferme ta... T'envoies les jambes, l'autre. Laisse ma mère, je suis pas ton collègue. Mais c'est un fada. C'est malade, frérot. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que tu les piques, alors ça y est. Et c'est quoi la seule solution? C'est de parler de Maëva à chaque fois. C'est parce que c'est ton... Parce que ils savent que c'est le truc qui... Ah oui, mais ils ont que ça à dire. Je suis vraiment très énervé. Parce que c'est vrai que Maëva, dans cette aventure, c'est un sujet sensible. Avec tout ce que j'ai vécu avec Maëva, c'est vrai que ça me fait quand même un petit peu quelque chose. Mais je sais pas, Maëva, elle est pas là encore. Donc, du coup, je sais plus quoi faire, je sais plus quoi dire. Toi, ça te touche? Je t'en fous. Non, là, je m'en fous. Tu le sais bien qu'à chaque... Tu le mais sais en bien. Fait, je vais faire une réunion, je vais dire arrêtez de parler de Maëva en fait. C'est quoi leur non, argument? Mais c'est tous des ils ont de zéro Maëva, argument, mais ils sortent tout le temps Maëva. En fait. Parce qu'ils savent que c'est le seul point sensible. En tout cas, je conseille plus dégueu, je m'emballe. Quand tu voilà. Mets ton deal. Démerdez-vous, faites vos trucs et laissez-moi tranquille, frérot. Moi, franchement, j'en ai marre de Maëva. Elle est omniprésente, la meuf, elle est même pas là. On parle tout le temps d'elle. En plus, au final, ça lui donne grave d'importance. À force de parler d'elle, ben voilà, ça crée encore des doutes. Moi, je me dis, y a pas de fumée sans feu. Nous, on peut l'attaquer, Greg. On sait très bien comment on peut l'attaquer. Que avec Maëva. C'est ouais, mais au bout d'un moment, c'est relou pour moi. C'est gratuit, c'est simple. C'est toi qui touche. Voilà, comme plein de fois, il va dire à Alex, ouais, je l'ai dans la peau, elle est gravée à moi, c'est pas pour rien. Quand il t'a dit ça? Il dit ça à Alex, à l'extérieur, donc c'est pas pour rien qu'Alex, il balance ça. C'est pas pour se faire toi.
c'est parce qu'ils parlent en connaissance de cause. Ils savent très bien que quand elle va arriver ici, nous on sera tous avec toi, parce qu'on a suivi l'histoire, que s'il se passe des trucs, on sera tous de ton côté, quoi qu'il arrive. Mais on sait très bien que quand elle va arriver, tu vas péter un plomb. Parce que je vais péter un plomb, bah ça dépend s'il me respecte ou pas. S'il me respecte ou pas, ce sera ciao. J'espère qu'il va te respecter. Ça, ce sera ciao. Mais dans le sens, parce qu'elle aussi, elle après, il me paraît sincère, tu vois, hier, genre, il a même. Ah, j'ai pas qu'elle est pas sincère. Non, mais je pense qu'on l'a dégagé la bonne pointe. Écoute-moi, je l'ai vu cet été et il pleure tout le temps. Greg, il sera toujours touché par Maëva, c'est comme ça, il l'a dans la peau, c'est une cicatrice qu'il a et je pense que vraiment qu'elle comprenne que c'est comme deux aimants en fait, Maëva et Greg. Je pense que si Maëva arrive dans cette aventure, ça va être très compliqué pour Laura. Dès le début parce que bah, malheureusement j'ai chopé le coronavirus. Maintenant je suis guérie et j'ai trop hâte de retrouver mes fratés les Marseillais. Avant l'aventure, Greg et moi on s'est fait des promesses. Je m'attends à retrouver Greg parce que pendant deux semaines j'ai fait que penser à lui. J'ai retrouvé ma meilleure amie, je suis trop contente. Et non. Maintenant là, now, maintenant là, maintenant chaud là. Plein fer, Maëva qui débarque dans la maison. Je viens de m'emboucaner. Ah ouais, là c'est même plus un panier de fruits là, carrément, c'est le marché là. Là j'ai tout eu là. Là ce matin j'ai tout eu. Oh là là, mamma mia. Ça va? Greg, tu étais dans les problèmes. Je l'ai vu, Greg, il est dans la... Oh là là, Greg. Ça va? Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Bonjour. Mais ça va quand même, on le balade. Tu veux? Ça va. Salut, Laura, enchantée. Maëva. Alors ça, c'est la nouvelle copine de Laura. La copine de Greg. La copine de Bébé. Ça va, Laura? Ouais. Ah ouais? C'est une grosse blague, c'est pas du 10 étages que je tombe, c'est carrément du sommet du Burj Khalifa. Le mec, il me promet des choses, et j'arrive ici, il y a plus aucune promesse. Mais c'est un gros mytho en fait. Sans bruit à cause de toi, il y a une minute d'ailleurs. Ouais, il y a une minute sans bruit à cause de toi. Tu sais que ça va pas du tout marcher. Pourquoi? Je sais pas, t'es fan de moi, tu likes mes photos sur Instagram. Mais j'ai même pas dit t'es fan! À quel moment je suis fan de toi? Bah oui, ça a duré deux semaines. Pourquoi tu crois que tu fais la meuf là en fait? Ça tue la meuf, tu t'en bats avec tout le mec. Mais qu'est-ce que c'est toi? Détends-toi, j'ai juste liké une de tes photos de ton chien là. Ça devait être sur l'actualité de mon réseau social et c'est tout. Mais elle a zéro répartie en fait, je la mange direct. Elle a liké des photos de mon chien aussi. Elle est abonnée. Ouais, ça la meuf, tu as du quartier, mais elle est pas de moi. Tu as un autographe? Tu as un autographe? Mais pourquoi tu likes mes photos? Elle commence à crier, ça y est, elle est dans le spectacle là. Elle arrive, elle est dans le spectacle la meuf. La meuf, on a rien à voir en fait. La meuf, on a rien à voir. Mais trop fou. Elle commence à me chauffer de bon matin. Elle a vu ma mère, elle a liké les photos de moi et de mon mais chien. Mais pas du frère. Tout. T'es dou, pas dou, loin. Tu as dou, dou, dou. Tu m'as photo, tu rêves de moi la nuit. En plus, la fille, au lieu de se taire, elle monte sur ses tours. Sauf qu'elle est mal tombée avec moi. Là, ça fait 12 jours, j'étais enfermée chez moi. Je suis pleine d'énergie, je vais te la faire redescendre. Je le sentais, frère. Je tremble, je suis très rouge. J'ai toujours... Frère, je me trompe pas, j'ai toujours raison. J'en ai marre. Ça va être dur là, frérot. Faut que tu t'accroches, frérot. Faut que tu t'accroches sévère sec, ça, gros, je te le dis. Tu vas craquer sinon. Il faut que je me concentre.
sur Laura. Mais le problème, comment veux-tu que je me concentre sur Laura, sachant qu'il y a Maeva? C'est... Je suis perdu, voilà, je sais plus quoi faire. Voilà, dans ma tête, c'est un chamboulement total. Faut pas que je pleure, faut que je pleure. De mon aventure qui était comme ça, eh ben là, je repars en down. Frérot, il n'y a pas 36 000 solutions. Écoute-moi, frérot. Il n'y a pas 36 000 solutions. Là, déjà, avec ce qui s'est passé, tu dois pas la calculer. Tu laisses venir, tu continues ce que tu dois faire avec Laura. Si demain, ben, tu n'y arrives pas parce qu'elle est là ou quoi, il ne faut pas que tu aies peur de le dire. Il n'y a pas de honte. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de honte à bord. Arrête de croire qu'il y a de la honte, il n'y a pas de honte. Si tu es bien avec Laura, ben, tu continues avec Laura. Hein. Dans tous les cas, tu ne lui donnes pas l'heure. D'accord? Si elle te dit un truc, elle te vient, qu'elle t'insulte, qu'elle te dit un truc. Ah, toi, tu m'as fait ça, moi. Commence pas à dire, et toi, nanana. Tu t'es assis disputé avec Alex. Tu prends sur toi, dans ta tête, tu te dis, j'ai gagné. Tu n'as pas besoin de dire, on te voit, j'ai gagné. Oui, oui, je prends sur toi. Tu dis, voilà. Dans tous les cas, voilà, ça, il s'est fait, elle est là, hein, frérot. Paga me dit que de ne pas calculer Maeva, ben oui, il a raison. L'indifférent est le meilleur des mépris. Mais là, le problème, face à Maeva, c'est compliqué. Elle va, à mon avis, elle va vouloir tout faire pour te récupérer. Tu continues ta relation avec Laura. Si tu sens que c'est trop dur pour toi et qu'elle est là et tout, à ce moment-là, tu prendras ta décision. Là, il faudrait que tu ailles la défendre, là, par contre. Frérot. Mais je l'ai pas vu, ça fait 20 ans, frérot. Je peux pas aller là. Mais tu peux pas laisser en galère Laura, c'est maintenant qu'elle a besoin, mon frère. Tu le savais très bien. Ben, à ce moment, j'hésite à y aller, parce qu'à tout moment, j'ai Maeva qui va me tomber dessus, j'ai Laura qui va me tomber dessus. Et moi, je vais être là, quand même, pantin, voilà. Vraiment, j'ai peur d'y aller. Voilà, je te dis, va la voir. Allez, Greg, frérot, c'est maintenant, mon frère. C'est pas moi à défendre Laura, frérot. Il y a deux semaines, j'étais la femme de ta vie. Il y a deux semaines, tu pleurais pour moi. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Le jour où j'ai embrassé une aide, le jour où le soir où j'ai fait le smash, toi, tu fais des promesses. Tu me fais des promesses en disant Maeva va se retrouver dans sa voiture. Attends, laisse-moi finir. En disant Maeva, tu te retrouves dans sa voiture et tu couches avec une fille. Greg m'en veut pour un faux bisou que j'ai fait à Ilan, que Ilan est mon meilleur ami, alors que lui-même, il voyait d'autres meufs. Pendant qu'il me promettait de rien faire. Ah, mais là, c'est clairement le camembert qui dure encore. Tu pues. Genre, je suis la femme de ta vie, il y a deux semaines. Tu n'es pas la femme de ma vie. Toi, tu es la femme de ma vie. Est-ce que tu pleurais pour moi? Tu n'es pas la femme de ma vie. Est-ce que tu pleurais pour moi? Tu n'es pas la femme de ma vie, Maeva. Tu n'es pas la femme de ma vie. Deux semaines, j'étais la femme de ta vie. Parce que j'ai été là pour toi. On parlait tranquillement. Juste avant que tu partes à Dubaï. Qu'est-ce que tu m'as promis? Oui, je lui ai fait des promesses. Oui, je lui ai dit des choses. Mais à partir du moment où je vois qu'elle papillonne avec Pierre, Paul et Jacques. Eh ben, c'est tout promesse. Voilà, donc je fais ce que je veux, en fait. Toi, tu fais les dingueries, tu crois que quoi, je vais rester à la maison, moi? Pourquoi tu me dis au Satan? Non, je t'ai pas dit au Satan. 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 Je suis en crise de nerfs. Dans mon cerveau, il y a tout qui explose. Mais pour qui il se prend à me faire son bad boy? La tête de mes cadres de me tuer. Les neveux, arrête de jouer sur tes neveux. Tu m'as pas dit on s'attend, on se retrouve dans l'aventure. Tu m'as pas dit ça. Non, je t'ai pas dit ça. Non, je t'ai pas dit ça. Non. Paga, s'il te plaît, tu es au courant. Hein? Paga. Paga, non. Vas-y, Paga, c'est moi. Parfois, tu as mis ton. Moi, je parle avec Paga. Je parle pas avec toi. Tu parles avec moi. Casse-toi de là. Paga. Avec ta combinaison de ski sur ma mère. Je suis trop fraîche. Deux mecs, va. Tes yeux de Gobi là. Ah ouais, tu es obligé d'assumer maintenant. Tu vas tout assumer. Paga. Parce que c'est le mec, sa nouvelle meuf, ça a duré deux jours. Non, mais les gars, moi j'ai assez de problèmes comme ça, s'il te plaît. Je vois Maeva arriver comme un taureau sur moi. Oh, fond des chichounettes. Avant de rentrer dans sa voiture, avant de rentrer ici, d'accord, il me promettait quoi? Juste avant la dispute du smack de Ilan, il me disait quoi? Il venait me voir tous les jours. Oui, j'étais là. Voilà, je veux qu'on se remette ensemble. Mais si on se met ensemble, on fait les choses vraiment bien. Je t'aime, tu es la femme de ma vie. C'est vrai ou pas? Oui. Même toi, tu me l'as dit. Oui. D'accord. Je comprends. Maintenant, tu sais quoi? On va se laisser le temps. Tu vas aller à Dubaï.
on se retrouve en aventure. Oui. Vrai ou pas? Oui. Donc, il n'y a rien eu. Je suis célibataire, je suis célibataire. Donc, il y a eu ses donc il y a eu toutes ses promesses. Ok? Oui. D'accord? Moi, dans ma tête, je comptais pas avoir de garçon, je comptais l'attendre. J'étais au quotidien avec Greg, je sais exactement ce qui s'est passé. Oui, ils se sont promis de se remettre ensemble dans l'aventure, sauf qu'il s'est passé des choses entre-temps. Maëva l'a assumé, elle n'avait qu'à pas faire le smack avec Ilan. Greg, entre-temps, mais il a fait sa vie, il a fréquenté une fille. Et puis voilà. Et là, c'est quoi tes ambitions, tes attentes? Vu que tu es énervée. Là, je vais être... non, là, je suis très énervée contre lui. Je suis très énervée contre lui. Là, j'ai passé 2 semaines, les gars. J'étais confinée. J'étais malade comme un chien. 2 semaines, je bougeais pas. Et c'est vrai que j'ai fait que penser à lui. Je vais pas mentir. J'ai fait que penser à lui pendant ces deux semaines. J'ai de la haine, hein. J'ai grave de la haine contre lui. Mais oui, je vais pas mentir en disant non, il fait sa vie. Je vais pas me broyer la face comme j'ai fait dans l'aventure d'avant. Maintenant, s'il veut faire le mec, ben c'est pas grave. Tu sais quoi, ça va me faire du mal. Et je vais avancer, c'est tout. C'est la vie. Tu es la pire des mythos, en fait. Conclusion, tu es une mytho. Je suis là depuis tout à l'heure. Vas-y, tu vas-y. Tu es vas-y. Une mytho. Ah bah, de quoi? Allez, on les laisse parler. On laisse les parler. Allez, promis. Maëva dit qu'elle m'en veut, mais qu'elle fait que penser à moi. Mais Maëva, si tu pensais à moi pendant le confinement, pourquoi elle a fait tout ça juste avant? J'ai l'impression qu'elle veut me garder sous le coude. Bébé, on s'est devenu un accoudoir. C'est rien promis. Je t'ai juste dit... Téléphone! Ah ben, téléphone aussi! Tu me faisais des déclats sur déclats! Mais toi aussi! Tu me faisais des déclats sur déclats, Maëva! Mais tu pleurais pour moi, Maëva! Là, mais tu arrête, je pleurais! Pourquoi tu cries? Tu vas me le faire chaque aventure! Mais pour un moment donné, c'est pas quand j'ai envie, toi, en fait! J'ai envie d'avancer dans ma vie! Mais tu me fais pas avancer! Tu ne me fais pas avancer! Tu me fais pas avancer! Il aurait fallu quoi? Que je reste célibataire dans cette aventure alors que elle vit sa best life? Mais pas du tout! C'est quoi ce délire là? On est où? Mais elle a cru que j'étais quoi, mon son chihuahua? Son sac à main, c'est terminé. Je suis plus ton sac à main. Quand tu te smacks des Ilan et que tu es contente, mais c'est mon meilleur... et tu penses à moi, c'est le soir où t'as couché avec les Ilan. Je ne raconte pas du tout, j'ai couché avec les Ilan. Julia, il me l'a dit, et après j'ai fait ça. Paga. Le bon Dieu, t'es Paga. Avec toi. Oh putain, Paga. Allez, j'y vais. Paga, il faut. Le soir où il y a eu la story que Julien, il a snappé. Il est en train d'embrasser Maëva, tu étais où, s'il te plaît? À tes côtés. Et il y avait une gadget à la maison. Quand on se renvoyait à Marseille, ah non, pas du il couchait avec l'ex de Dakar. Racontes, non, toi. Pas du tout, le pas du bon tout. Dieu mais non, mais je te le jure. Arrête de dire le bon Dieu, il est là, d'accord, frère. Okay. Voilà, le mais bon Dieu, il est là. D'accord, fauteuil. D'accord. J'ai même sous tes genoux. Je ne sais pas, vous n'y avez pas d'autre fille. Allô, vous n'y avez pas d'autre fille. Attends, ma grand-mère, je te le jure. D'accord. Je te le jure. Greg, c'est mon ami, il me dit tout à moi. Je l'aurais su. Mais là, je suis pas au courant. À quel moment, à quelle heure il m'en aurait parlé? Ah, j'ai hâte que Julien il arrive. De quoi? J'ai hâte mais que Julien il arrive. Mais non, mais je te jure parce que non, il sait la vérité. Il sait la vérité. Quand tu viens à la maison, même tu la jauge. Je t'ai fait. Mais, oh, mais frère, c'est une malade. Kevin, parle un peu. Ouvre ta bouche, frérot. Moi, je vous laisse parler. C'est pas un dialogue, c'est un monologue. Tu peux pas, tu peux pas en placer. Mais c'est pourquoi vous parlez pas chez moi? Avec toi, tu peux pas en placer. Mais non, mais parce que tu veux toujours avoir raison, tu mens. Maëva, tu commences du mensonge sur lui, tu reçois Grégory à la. Et le pire, c'est que c'est grave, c'est que tu crois tes mensonges. C'est plus grave. Mais. Et tu écoutes les autres. What? C'est quoi le truc? Je te l'ai dit. Mais vas-y, dis-le-moi. Ils étaient ensemble ou pas avant? Mais tu vois bien que t'as de l'amour de là. Mais tu vois bien, tu regardes, tu crois qu'à quoi? Tu crois qu'ils sont ensemble comme ça? Ah, mais Laura, s'il te plaît, moi j'ai. Mais non, c'est qu'elle est amoureuse. C'est qu'elle est amoureuse. Je te l'ai dit, elle va revenir, elle va vouloir son bébé. Je me suis pas trompé depuis le début. Et il voulait pas entendre la vérité. Et moi j'étais là pour vous dire, attention, ça va être compliqué. Greg, il vient même pas me voir, il vient même pas me rassurer. En fait, lui, c'est le pire dans l'histoire. J'espère que c'est sous le coup du choc, en fait, que Maëva soit arrivée dans la maison, qu'il réagisse comme ça. Donc je lui laisse le bénéfice du doute, mais j'attends des preuves là, hein, et pas trop longtemps. Et quand j'ai vu ce que tu as fait avec Ilan, mais quoi, je t'en. Oh, mais avant, même que je sois, Ilan et Jessica, mais moi aussi, moi aussi, eh ben sauf que j'étais pas prête, j'étais jeune, d'un coup, mais je te l'ai dit, on l'a eu cette discussion chez moi, dans la Green House, à Marseille, Maintenant tu es prête, oui, allez vas-y, allez, accélère. Je ne la crois pas du tout, ah ouais, mais pas un brin, mytho, mytho, et en plus quand elle fait ça, ça me fait mal à moi, j'en souffre. De son mensonge bidon, en fait. C'est un amour sincère. Je préfère me mettre, maintenant que j'ai grandi, que j'ai mûri dans ma tête, je préfère me mettre avec un mec qui m'a aimé d'un amour sincère. Mais là, tu devrais venir, là. Mais ben, tu devrais venir, là. Tu devrais venir écouter, c'est beau, bah, tu devrais. Mais parce que nous, on n'a pas la même version. Est-ce que tu comptais te remettre à Emma dans l'aventure? Est-ce que tu lui as dit, on s'attend? Quoi? Mais moi, je réponds à ça, parce que personne ne peut m'écouter. Avant que je fasse une dinguerie.
Je sais pas, il a dit on paiera comme ça se passe parce qu'à chaque fois tu me promets la lune et à chaque fois tu me la mets à l'envers. Avant que je fasse le bisou à Ilan, tu m'as pas dit Maëva, on se remet pas ici ensemble en France. Tu l'as avoué tout à l'heure. On attend l'aventure. Vrai ou pas? Avant, quand on se remet à Marseille. Mais maman, tu voulais chez moi, tu manques à peste. Mais moi, je voulais me remettre avec toi. Mais moi, je te l'ai dit. Oui, voilà, oui. Mais moi, je te l'ai dit, Greg, je veux me remettre avec toi. Maintenant. Avant l'aventure que j'avais dit que c'était la femme de ma vie, je m'en suis jamais caché. Mais le problème, c'est que c'est elle qui m'a fait plus envie que ça soit la femme de ma vie, en fait. C'est tout simple. Si soi-disant tu m'aimes, pourquoi tu me fais tes dingueries, en fait? Alors attends, bébé, moi je pensais que Maëva, elle voulait encore te récupérer avant l'aventure pour faire son aventure avec toi, tu connais. Je pensais que c'était ça, mais à un moment donné, si à l'extérieur, vous vous êtes dit que vous allez vous remettre ensemble avant, sans l'aventure, crier. Bien avant. Sans crier. Je la crois plus sincère. Et il y a des non-dits. Encore, mais encore. Mais je suis pas idiot. Moi, je pensais que tu voulais le récupérer pour la vente. Mais pas du tout. Pourquoi faire? Ben, pour jouer. Ben non, ben j'aurais joué avec nouveau, avec un mec. Il y a pas que lui quand même. Oui, c'est ça, Greg. Je suis pas bossu, je suis pas perdu. J'ai confiance en elle, elle manque. Mais moi, j'ai confiance en toi. Quand j'entends Maëva dire qu'elle veut bébé ou qu'elle veut vraiment construire quelque chose avec lui, que c'est bon, elle a grandi, elle a changé et qu'elle sait ce qu'elle veut, ben moi, je veux bien la croire. Pour le coup, là, elle vient clairement avec les intentions de le récupérer. Alors que d'habitude, ben c'est vrai qu'elle joue un petit peu. Flo, il a dit bébé ou quand Maëva, elle va arriver. Tu vas la dégager, on va bien rire. Oui. Vous êtes en couple encore? De quoi? Vous êtes plus en couple? Oui, je suis jeune, on ne sait pas où on en est. Ah ouais. Mais il fait la même chose. Trois fois, trois aventures, il fait la même chose. Non, mais dis ce que tu penses aussi, toi, positionne-toi en fait. Pansement. Je pense que c'est... Non, il ne le dit pas, c'est toi qui le dira pas. Alors c'est soit moi, soit voilà. Mais il le dira pas. Et après, dans trois jours, quand je vais l'ignorer, ou si je me rapproche des mecs, il va pleurer. Pas du tout. C'est toujours le même truc. Notre couple, il est pas du tout crédible à l'heure actuelle. Et il commence à dire, oui, je suis en couple, mais je sais plus trop et tout. Mais mec, au bout d'un moment, positionne-toi, en fait. Moi, je veux un homme dans ma vie, pas un gamin qui sait pas où il a mal. Bébé, maintenant que Maëva, elle te dit ses intentions, t'en penses? De quoi? Je pense que c'est une grosse mytho. Voilà. Non, mais j'aime bien, je vais écouter. Non, mais j'écoute. Des malades. J'écoute au bout d'un moment, il se positionne pas. Mais bébé, je veux répondre. Moi, j'ai envie de rester avec Laura, je suis bien avec Laura. Mais il a pas dit, je suis bien avec Laura. Mais tu veux quoi, là? Je suis bien avec Laura. La tête, ma mère, il ment. Franchement, je sais plus quoi penser. Je sais pas qui c'est le mytho. Je sais pas. Là, c'est pas le moment pour parler à Laura parce que je sais pas quoi lui dire. Je vais pas lui dire des choses que je pense pas. J'ai envie vraiment de me calmer d'abord, je suis sur les nerfs, je suis en montée d'adrénaline. Mais même s'il a choisi elle maintenant, c'est faux. Mais voilà, donc c'est faux, arrêtez. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il l'a déjà fait. Bah parce que dans tous les cas, là, il ça se voit comme une femme. Il y a une semaine, il me disait je t'aime. J'étais pas au courant, non, hein. Tout le monde ne me poussait. Au début, j'en avais rien à... Après, au final, on s'est rapprochés. Et tu vois ce que je veux dire, j'étais pas au courant de tout ça. Pour moi, c'est clair et net, Greg n'est pas du tout sincère avec Laura. Il s'en fout d'elle, je sais qu'il m'aime. Il fait ça tout simplement pour me faire du mal. Il est perdu comme un trésor aux Pirates des Caraïbes. Maëva, si d'un coup tu viens te rapprocher de bébé, il faut plus que tu lui fasses du mal comme tu as pu faire. C'est le rabaisser, le dénigrer, faut plus que tu fasses ça. Je le sais. Mais les gars, elle est là. On voit tout ce qui se passe, on est pas bêtes. On voit tout ce qui se passe, on voit tout ce que bébé, il fait. On est en train de parler d'une relation Maëva bébé alors qu'elle est ta copine. C'est mort, c'est fou. Mais Laura reste pas là-bas, Laura. En fait, Greg me donne pas les vraies réponses, mais je les entends de la bouche des autres, en fait. Et je me dis, bah là, c'est bon, j'ai la vérité en pleine face. Et tu sais quoi, bah Greg, reste avec ton ex, sois malheureux toute ta vie, c'est plus mon problème, en fait. C'est quoi, Greg? Je pense qu'on va arrêter là. Franchement, on arrête là. Franchement, j'en ai ras le cul. Jessica qui commence à dire à Maëva, ah, par contre, si tu veux te remettre avec bébé, il faut que tu te... pas que tu lui fasses du mal et tout. Ça veut dire quoi, en fait? Moi, je suis au milieu de tout ça et on dit ça devant moi. Mais tu restes là-bas, pour qu'est-ce que tu fais là-bas? Mais tu me défends même pas, en fait. Mais tu restes là-bas. Mais tu restes. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit limite en chuchotant. Ça se voit que t'as de la rancœur. Mais parce que c'est la vérité, elle est en train de me faire passer pour une conne devant mes amis. Mais c'est mes amis, c'est ma famille, en fait. Je sais pas, j'étais censée dire, genre Laura, elle est là, genre arrête de parler de ça. Je regrette de lui avoir fait confiance. J'ai toujours été honnête avec lui. Je pensais que lui aussi, il était avec moi. Mais en fait, je me rends compte que pas du tout. Au final, je me suis vraiment fait prendre pour un jambon. Et honnêtement, ça me saoule d'être dans cette situation à l'heure actuelle. C'est vrai qu'avant l'aventure, t'avais dit genre on se met ensemble dans l'aventure? De quoi? C'est vrai cette histoire? Mais avant l'histoire qu'il y avait que vous êtes promis des trucs. Mais tu m'écoutes ou pas? Vous êtes promis des trucs parce que ça, tu me l'as pas dit. On avait dit d'être honnête l'un envers l'autre, c'est pas vrai? C'est pas vrai qu'on avait dit d'être honnête? Mais ça, je l'ai oublié tout ça. Ça, je l'ai oublié tout ça avant qu'elle fasse ses dingueries. Avant qu'elle fasse des dégâts. Mais voilà, mais j'ai l'impression que t'as encore de la rancœur envers elle par rapport à ça. Mais je lui dis parce qu'elle me fait passer. Tu t'en bats les couilles, non? Je m'en bats les flambis, mais elle me fait passer pour un mytho. Mais honnêtement, quand tu réagis, ça se voit pas que tu t'en bats les couilles.
fait. Elle lui dit les choses, en fait. Je lui dis. J'ai pas été une seule fois dans la discussion quand t'as parlé avec elle. Tu crois que c'est normal? Laura me demande de me positionner. Mais à un moment donné, Laura, ça va dans les deux sens. Moi, je suis là pour toi, mais il faut que tu sois là pour moi, en fait. Elle ne m'aide pas. Je comprends que Laura, elle veut savoir où j'en suis. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si elle a confiance en moi, Laura, elle doit s'affirmer, elle aussi. C'est ce qu'il m'a dit, Paga, il m'a dit, laisse tomber, c'est sûr qu'ils vont se remettre ensemble. Ah, Paga, il t'a dit voilà. Ça. Ah, ok, d'accord. Voilà, donc ça, c'est sûr de ton meilleur ami, pourquoi il me dit bon, ça, mais en fait les choses, ben, vas-y, crois tout le monde. Hein? Vas-y, crois tout quoi, le monde. Quoi, crois tout le monde. Ton meilleur pote, il me dit ça, au bout d'un moment, c'est qu'il y a un problème, en fait. Crois qui tu veux, vas-y, c'est bon. C'est bon, crois-tu. T'as aucun argument, vas-y. Oui, si t'as tu veux. Aucune répartie. Si tu voilà, veux. À part dire oui, si oui, tu veux, ça va, oui, si tu veux, c'est oui, si tu allez, veux. Allez, ça va. Moi, je vais rester tout seul, c'est très bien. Greg me déçoit énormément. Il m'avait promis d'être là pour moi. Il m'a dit qu'il était sincère avec moi. Et au final, ben, il n'est pas du tout avec moi, là. Il devrait être là à me rassurer, à, ben, voilà, à dire je m'en fous d'elle, mais pas du tout, en fait. Mais t'inquiète, mon cœur, il t'a pas pris pour une. Je pense pas qu'il t'a pris pour une. Je pense que juste, il y a des choses qui sont pas réglées. C'est tout. C'est rien. Vraiment. Non, mais je m'en bats les. En fait, là, j'arrive, je me lève, on reparle de Maeva. Là, elle arrive, elle me prend la tête. Lui, au final, je vois, il fait rien. Tu sais, c'est le tout, genre. C'est au bout d'un moment. Après, je pense qu'il s'y attendait pas non plus, tu vois. Donc, peut-être qu'il s'est senti. Tu sais, après, on. Non, mais on en vrai, plus en vrai genre, tu vois. J'attends de voir comment ça va se passer, tu vois. En vrai, genre, je sais pas qui dit vrai, en fait. Tu vois ce que je te dis? Ah, mais je pense que c'est vrai. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. C'est vrai. Je pense que c'est vrai. Oui, mais après, il a mais pu après, rencontrer après moi. Il a pu te rencontrer, avoir un gros coup de cœur. C'est pas ça. Moi, c'est juste, sors, pose tes à table et défends ton couple. Ah, le mec, dis que c'est comme ça maintenant. Le mec, il sert à rien, en fait. Genre, il sert à rien. Ce qui est sûr entre lui et moi, c'est que moi, je ne ferai plus aucun effort. J'en ai déjà trop fait depuis le début. Et voilà, s'il veut me récupérer, bah, il doit revenir vers moi. Et j'ai même plus envie d'entendre parler de lui. Là, il a été dépassé. Ça se trouve, je te dis une bêtise, mais ça se trouve, là, tu vois, là, pas bien, mais ça se trouve, dans une heure, il va aller la voir. Il va lui dire, écoute, maintenant, je te dis les choses, je les pose à plat. On verra. Laura, c'est ma copine, et voilà. Bébé, il se passe quoi dans ta tête? Je suis bien avec Laura, mais le problème, c'est que l'autre, je la crois même plus. Frère, elle dit... Bah là, tu veux qu'on t'explique un truc? Nous, tu sais qu'on est toujours de bon conseil, on n'est pas là pour faire des problèmes, d'accord? Okay. Nous, on avait des doutes sur la sincérité de Maeva. Là, franchement, bah, elle était convaincante. Tout le monde, hein. Elle était très convaincante dans le sens où vraiment, on sent que là, elle est venue vraiment pour te récupérer. Elle a envie vraiment de tenter quelque chose avec toi. Après, c'est toi, en fait. Mais non, mais en fait, c'est quoi même... Toi, t'as souffert avec elle, donc t'as peur, c'est ça? Je sais plus. Et quand tu souffrais d'elle, elle t'a fait quoi comme galère? Ah, mais non, pleure pas, ça va, t'inquiète. C'est dur, là. Ah non, Allez, ça va aller. Tu veux quoi au fond de toi? Qu'est-ce que ton... Parce que je la crois plus, frère, je la crois mais toi... plus. C'est quoi qu'elle t'a fait dans le passé qui t'a fait souffrir? Elle m'a menti, elle m'a tué. Je m'effondre parce que je sais plus où j'en suis, en fait. Je suis choqué. J'ai l'habitude, moi, que tout le monde me dit « méfie-toi de Maeva », en fait. Et là, j'ai mes amis qui me disent « on n'a jamais entendu Maeva parler comme ça ». Le problème, c'est que je me dis que j'ai peur d'elle. J'ai peur de me... de... Je lui fais plus confiance, j'ai peur qu'elle... Maeva est capable de tout. De tout. Soit vous vous remettez ensemble dans l'aventure ici, maintenant. Soit c'est terminé, plus jamais elle voudra donc revenir. Donc en gros, c'est la dernière chance que vous pouvez avoir, vous deux, est-ce que de tu tenter veux... quelque chose. Et est-ce après, que tu peux prendre cette dernière si chance ou pas? Je sais pas. J'ai jamais eu une vraie relation avec elle. Mais voilà, c'est peut-être ça. Mais là, elle te dit qu'elle veut la démarrer. Oui, mais combien de fois elle a dit, Jessica, combien de fois elle a dit? Mais alors, honnêtement, voilà. Alors je vais te dire quelque chose. Moi, c'est vrai que des fois, je croyais Maeva pas sincère. Là, quand elle parle, elle assume devant haut et fort devant tout le monde qu'elle veut te récupérer, que maintenant elle est prête, que machin, que si. Toi, est-ce que tu es bien avec Laura et dans ce cas-là, tu te dis non, moi, je tente plus avec Maeva parce que Maeva, non, c'est trop, j'ai peur de me planter, je veux pas, et avec Laura, je suis bien. Ou alors, je pense encore à Maeva. Je suis attaché à Laura, mais je suis pas amoureux de Laura. Oui, mais du coup, tu as Maeva dans la peau, en fait. Je sais plus. Oui, mais en faisant cette réaction, si tu sais. Ouais, en fait, tu sais, si tu pleures parce qu'elle te dit ça, c'est que tu sais, bébé. Je sais très bien que dans le fond, ben, il aime vraiment Maeva. Et je sais très bien que le rêve de sa vie, ce serait que ça soit la femme de sa vie, de faire des enfants et tout construire. On peut dire ce qu'on veut, Maeva et Greg, c'est une histoire sans fin. L'amour, c'est trop dur, mon pote. Allez, la zizi. Les gars, allez. Il fly. Il décolle pas. On va s'envoler. Oh, Monsieur. Stop it now. Yes, les problèmes. Ils sont les...
plein d'histoires, mon frère, plein d'histoires. Moi, j'ai l'impression que peut-être Julien et Manon ont dû dire des choses à mon sujet à Maëva. C'est pour ça que nous, on leur parle plus. On sent qu'elle a pris parti. C'est tout le temps avec eux, tu nous appelles pas nous. C'est une blague. Mais le mieux, c'est qu'en fait, on attend que Julien arrive pour régler les histoires. Il y a strictement rien qui va, en fait. Oh, purée. Non. Je sais que Greg, c'est l'homme de ma vie. J'ai lui dans ma tête. Il y a des grosses décisions à prendre. Moi, je veux un vrai homme. Bébé! Bébé! Toi, tu étais mon rêve, tu es plus mon rêve, chérie. Voilà. Oh là là! Laura! Tout ce qu'il a voulu que je sois, je l'ai fait. Greg et Maëva, c'est fini à tout jamais. Don't forget me, baby.